Good morgen, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le lundi matin. Moi, Yonavan Khanabegi va tester un Issim Ben Nahouda et aussi des fautes Ephrat Mayan Batlea Betor Shah Holy Israel. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Serata Bodazara, Perek Aleph Mishnah Hey, Eilu Dvarim, Asurim Nimkor Lagoim, Etstrobalin, Uvnot Chouach, Uftot Rotehen, Olevona, Betarnegol Halavan, Rabbi Yehuda Omer, Motarim Korlo, Tarnegol Lavan, Ben Atarnegolin. ובזמן שהוא בפני עצמו כותל את עצמו ומוכרו לו, לפי שאין מקריבין חסר לעבוד הזרה. הוא שר כל הדברים סתם על מותר, ופירושן אסור. רבי מאיר אומר, אף תקלטיו, אף החצב, והניק ליבם, אסור למכור לגויים. מקום עושה משנה, avec אילו דברים אסורים למכור לגויים. Telles sont les choses qu'il est défendu de vendre aux goyim. Jusqu'à maintenant, depuis le début du Perek, on apprenait qu'on n'avait pas le droit de faire de la transaction avec lui, les trois jours qui précèdent la célébration de la Avodah Zarah, de peur qu'il aille être exprimer sa reconnaissance à son idole. De ce fait, là-bas il y avait un problème de Loïch Hamal Picha. On a bien sûr pas encore d'autres sujets. Maintenant, on va découvrir depuis maintenant, cette Mishnah jusqu'à la fin du Perek, différents objets que l'on n'a pas le droit de vendre au Goy pour plusieurs raisons. Dans notre Mishnah, c'est encore en rapport avec Avodah Zarah. Dans la prochaine Mishnah, ça va plus parler de problèmes de Shabbat, tout ça, on verra quand on y arrivera. D'accord ? Donc pour le moment, on est encore dans l'interdit de le vendre à toute période de l'année, peu importe si c'est là avant sa fête, avant la célébration de sa Avodah Zarah ou pas. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de vendre les choses-là, ces choses-là qu'on va voir, qui sont le itstrobalin, la pomme de pin. La pomme de pin, Pered Arza, il appelle le Barthénora, prix du Erez. Un Erez, c'est un cèdre. C'est toutes sortes, la famille des pins en général, donc la pomme des pins. Et on a peur de leur vendre, pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'ils apportent en guise d'offrande à la Avodah Zarah. Uvnot Chouach, Uftot Rotehen. Uvnot Chouach, c'est une sorte de figue, mais qui a une particularité, qui sont encore avec leur Ptotrot, c'est-à-dire ils ont leur petite queue. Lorsqu'ils veulent faire une offrande à la Avodah Zarah avec des fruits, alors ils apportent des figues avec leur queue. C'est quelque chose de beau peut-être, ou je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est uniquement ces fruits-là qu'ils apportent. De ce fait, si on leur vend, on craint, si on leur vend ces objets, ces fruits, donc la pomme de pin, ou encore la bnot shor, ou encore la levona, qui est encore une encens. Ouais, une sorte d'encens, je ne sais pas exactement comment ça se traduit. Bosvelia, j'ai vu dans le Wikipédia. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est une sorte d'encens. Et aussi, Tarnégol à la vanne, un coq blanc. Lorsque le coq il est blanc, alors ils le trouvent, c'est dans leurs usages, d'apporter ces choses-là en guise d'offrande. De ce fait, je n'ai pas le droit de les vendre au goy, de peur qu'ils vont les apporter en offrande à leur idole. Rabbi Yehuda Omer, maintenant Rabbi Yehuda vient et nous apprend quelque chose de nouveau. Moutar limkor lo Tarnégol la vanne, ben Tarnégolin. Attention. Si le goy vient, il achète 100 poulets, 50 poulets, et qu'il y a au milieu de 50 poulets quelques petits poulets blancs, eh bien tu as le droit de lui vendre tout en même temps. Pour quelle raison? Étant donné que le goy est venu acheter aussi des poulets noirs et des poulets marrons, c'est que il achète pour se nourrir et pas pour les apporter en offrande. De ce fait, s'il va trouver un poulet blanc, il ne va pas le prendre pour partir en faire une offrande. D'accord? On continue. Au bisman, chez Ubifne Atzmo, au côté, Tetzbo, Mochrolo, les fichettes Makurin, Khazar, Abadazara. Au bisman, chez Ubifne Atzmo. Et à partir du moment où ce poulet, il est tout seul, c'est-à-dire deux choses. Rabbi Yehuda vient être relègue sur Khamim. Khamim, on dit, on n'a pas le droit de vendre un poulet blanc d'aucune manière. Rabbi Yehuda vient te dit, premièrement, s'il est mélangé au milieu de plein de poulets noirs ou marrons, tu as le droit de lui vendre, parce que dans ce cas-là, c'est plus pour la Abadazara. Et même si tu le vends, si tu veux le vendre de manière individuelle, et bien sache que tu as encore une solution qui est Kotea et Tetzba Omocholo. Tu lui coupes le petit doigt au poulet dans son pied là-bas, un petit coup de couteau ou de hache, tac, tu lui fais sauter un doigt, et de ce fait, à partir du moment où le poulet est manquant, alors on n'apporte plus en offrande. Autant que chez nous, les juifs, lorsqu'il y a un moum, un défaut dans l'animal, on ne l'apporte pas en offrande à Hachem ou Bet Hamikdash. Eux font plus ou moins la même chose avec des règles un petit peu nuancées, la grammaire l'évoque de temps en temps, en tout cas voilà. Donc, ils n'apportent pas un poulet qui a un membre qui manque, amputé. D'accord? Les fiches en makirin chasser la Avodah Zarah, parce que les goyim, même les goyim n'apportent pas un animal chasser, manquant, amputé à la Avodah Zarah.
en guise d'offrande, c'est pas digne. On fait pas un cadeau aux moches. Ensuite, ushar kol advarim, staman mota. Maintenant, toutes les autres choses, à part celles qui ont été explicitées, donc les pommes de pin et les figues et les encens et le poulet blanc, alors tu as le droit de vendre tout ce que tu veux, sauf bien sûr les problèmes qu'on découvrira dans la prochaine Mishnah, bien sûr. Maintenant, spécifiquement en problème de Avodah Zarah, alors tu as le droit de leur vendre parce qu'ils n'ont pas censé la porter en offrande. Si tu lui donnes du poivre, on ne va pas dire que c'est pour aller poivrer l'offrande du lin de l'Avodah Zarah, et ainsi de suite, tu lui fais n'importe quelle salade ou peu importe. D'accord ? Staman Motar. S'ils les achètent Stam, banalement, alors tu as le droit de les lui vendre. Par contre, au Pérou, chaque soir, si tu expliques qu'il est en train de l'acheter pour l'Avodah Zarah, bien sûr, tu n'auras plus le droit de lui vendre. S'il achète du hummus, il te dit pour la Avodah Zarah, je vais aller faire une offrande de hummus. Eh bien, dans ce cas-là, tu n'as plus le droit d'aller le vendre. Vous allez me dire, c'est évident, c'est normal. Si tu annonces qu'il est en train de partir le faire pour la Avodah Zarah, alors c'est évident que tu n'avais pas le droit de le lui vendre. C'est vrai. Sur ça, la Barthénor rapporte au nom de la Gemara qu'on est venu apprendre qu'en réalité, on aurait pu croire que c'est du mythos ce qu'il est en train de me raconter, que c'est pour la Avodah Zarah. Cette histoire de essayer de m'amadouer, de me faire descendre le prix. Il croyait que j'étais un goy comme lui, que j'étais tout content qu'il allait partir le faire pour la Avodah Zarah, donc j'allais lui descendre un peu le prix, ou être sympathique avec lui, lui faire deux pour le prix d'un. De ce fait, j'aurais pu croire que c'est pour ça qu'il mentionne que c'est pour la Avodah Zarah. Et bien la Mishnah vient me dit, non, à partir du moment où il mentionne que c'est pour la Avodah Zarah, toi tu le crois sur parole et tu lui vends plus. Ok. Dernière partie de la Mishnah. Ah non, un point important. Un point important, je reviens un petit peu en arrière. Sur l'histoire du poulet. On a vu deux solutions sur le Rabbi Yehuda. Si il lui vend plein de poulets, il a le droit de lui vendre le poulet blanc sans lui amputer le doigt. Et s'il veut lui vendre un seul poulet individuellement, alors il pourra lui couper le doigt. De là, on déduit bien sûr quelque chose de très important, c'est que si tu lui vends plein de poulets, tu n'auras pas besoin non plus de lui amputer le doigt parce qu'il y a un problème de Tsar Bali Chaim. Ça, c'est une grande règle qu'il faut savoir. Tsar Bali Chaim, faire souffrir des animaux. On n'a pas le droit de faire souffrir des animaux pour rien. S'il y a une nécessité, parce que j'ai besoin de vendre mon animal au goy et que j'ai pas envie qu'il le fasse en Avodah Zarah, c'est nécessaire, tu lui coupes le doigt. Mais si, a priori, tu peux éviter le problème, alors tu ne coupes pas le doigt de l'animal parce que ça le fait souffrir. Et voilà, c'était précisé dans je ne sais plus qui, Tiferet Israël. Ensuite, dernière partie de la Mishnah maintenant. Rabbi Meir Omer, Af Dekel Tav, Vechatzav, Venik Livam, Assurim l'imkor l'agum. Rabbi Meir nous enseigne même un dekeltav, littéralement un bon palmier. En réalité, on ne parle pas du palmier, mais on parle de bonnes dates. Un palmier qui fournit de bonnes dates, eh ben, tu n'auras pas le droit de vendre ces dates pour la Avodah Zarah, parce que ça leur arrive même de faire des offrandes de dates. Vechatsav. Alors, chatsav, de manière générale, je ne sais pas ce que c'est. Là, cette fois-ci, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Mais apparemment, en fait, c'est une discussion. Chatsav, en général, c'est une plante. On sait sa définition dans la Gemara, mais je ne sais pas comment elle se traduit. C'est une sorte de plante qui a la particularité de piquer ses racines en ligne droite uniquement. Elle s'étend sur aucun des deux côtés. En ligne droite jusqu'au bout, c'est une plante que Yoshua a utilisée lorsqu'on a partagé avec Israël, lorsqu'elle a partagé avec Israël. Elle a planté ça entre les frontières de chacun, comme ça on en est sûr. Elle va profondément, elle plante ses racines. Personne ne pourra dire que c'était ma limite, c'était ta limite. On va creuser un petit peu, on découvrira où elle était la racine du chatsav. Ça, c'est le chatsav. Maintenant, ce que j'ai découvert dans le Bar Tenora, c'est qu'il appelle le chatsav kanim shosim mahen asukar. Littéralement, les cannes, des kanim, des cannes, des roseaux, shosim mahen asukar, avec lesquels on fait du sucre. Soit c'est la canne à sucre. Donc en fait, je pensais que c'était ça. Bon, j'ai vu dans le Tigre d'Israël, qu'en réalité, c'est deux explications. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, soit on parle donc des keltav, des bonnes dates. Khatsav, éventuellement la canne à sucre. Ou encore Venik Livam, alors là on ne sait pas ce que c'est du tout. C'est une sorte de plante jolie, qui a une beauté particulière. Alors, Assur Limkor Lagoim, il est défendu de vendre au Goy, pourquoi? Parce que de nouveau, selon Rabbi Meir, on va craindre qu'il achète ces choses-là pour en faire des offrandes à la Avodah Zarah. Et le Bar Tenora tranche la halakha sur ça, comme Rabbi Meir. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Je souhaite une pleine de la Slacha Kol Tov Salah.